Bonjour les amis aviateurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à bord du Baron 58 Fox Bravo Fox. Vous le savez peut-être pas, mais cette vidéo est importante puisque c'est les 13 ans de l'aéroclub virtuel IKE Aviation. Joyeux anniversaire à tout le monde. Je vais m'empresser de le souhaiter bien entendu à nos amis pilotes. Mais pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de commencer à démarrer le vol. Pour cela, je vais faire la mise en route du moteur. Nous sommes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous allons réaliser l'étape numéro 1. Et puis nous attendrons que les fêtes passent pour réaliser le 6 janvier l'étape 2 en Papouasie. Donc, Nouvelle-Guinée, je vous souhaite un vol agréable. On y va. Je vais cliquer. Okay. Alors je ne sais pas si vous allez bien entendre mes amis pilotes, parce qu'en fait, il se trouve que je n'ai pas le son là où il devrait être, c'est-à-dire sur les haut-parleurs près du caméscope. Il se trouve au niveau de l'écran principal, donc j'espère que vous pourrez au moins entendre les pilotes. Voilà, allez, on y va. Sécurité enlevée, c'est bon. Vérification carburant, on est bon, 70%. On allume tout, le beacon, la pompe carburant sur on. Pompe carburant sur off. Démarrage moteur numéro 1, top. Démarrage au moteur numéro 2, top. C'est bon. Alors, radiofréquence aérodrome, c'est réglé, on en mettra après. Et là, on n'a plus qu'à allumer ça. Et c'est OK. Allez, on va voir les amis. Moultes occasions de t'inquiéter. Hein. Bonjour les amis de IKE. Salut IKE. Bonjour monsieur IKE. Et permettez-moi de vous souhaiter un joyeux anniversaire à tous, puisque vous le savez, c'est la 13e année d'existence de l'aéroclub virtuel IKE Aviation. Et je tiens personnellement à vous remercier parce que chaque minute passée avec vous était un réel plaisir. Merci les amis. Oh, c'est gentil. Plaisir partagé. Merci Anniversaire, regarde. Eh oui. 13 ans, ça commence à devenir l'âge pénible, c'est ça, non? Ouais, voilà. On rentre dans la puberté, ça va être le bordel bientôt. Déjà que des fois, ça allait un peu. Déjà. Alors, pas trop, on est raisonnable. On essaye de l'être. C'est ça. Alors les amis, on est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a pas mal de relief, je pense qu'il va falloir monter haut puisqu'on a prévu un vol à 12 500 pieds, masque oxygène obligatoire. Sinon on va voir les petits éléphants roses. Est-ce que tout le monde est pris, les amis? Oui. T'as choisi le seul aéroport non imprononçable pour aller table, là. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, je suis comme ça. Arrivé est compliqué. Et Nadzab? Nadzab. Alors le premier qui dit Nadzab, je le punis. C'est toi qui le dis, c'est pas nous. Moi je suis président, j'ai des privilèges. Oui.
privilégié. Des fins droits, c'est quelque chose. Hein. Il y a un petit billet vert. Je vais mettre un mot et puis je vais. Alors, j'ai une pilote qui veut partir de suite, on va laisser partir de suite. Ensuite, Juliette, 314, ouvre le point d'atteinte 32 gauche, transpondeur 0206, et rappelez près au point d'atteinte 32 gauche. Jackson Tour de Fox Golf Hotel. Bravo Fox. Bonjour monsieur. Bonjour Fox. Fox, bravo Fox. C'est un baron 58 au parking principal. On demande l'autorisation de roulage vers la piste en service pour un départ VFR à destination de Nadzab. Le plan de vol est déposé et aucune information n'est relevée. Fox pour Nadzab, transpondeur 2303, pour les points d'attente 32 gauche. Et rappelez le point d'attente. On roule jusqu'au point d'attente 32 gauche. On transpond 2303. Fox, bravo Fox. Allez. Jackson Tour du Kodiak November Tango Zulu, bonjour. On y va. Bon, pour rouler, voilà, je ne l'ai pas vu, tant pis pour lui, il y a la glace à pousser. Tango Zulu, gentil. On y va. Oui, Kodiak, Papa 2, November Tango Zulu, parking pour un vol VFR avec plein de voile à désiration de Nadzab, une personne à bord, et on demande des consignes de roulage. Kodiak, November Tango Zulu, bien reçu, transpondeur 05 deux fois, vous roulez point d'atteinte 32 droite et rappelez. On roule pour la point d'attente 32 droite en rappel près devant Bordeaux Bouzou. Jackson Tour, bonjour, le Kodiak Fox Limos qui arrive vers Charlie avec un plan de vol déposé pour manque aucune de roulage. Charlie, bonjour monsieur, bien reçu pour Nadzab, transpondeur 2647, roulé 32 gauche, et prêt pour le point d'attente. Je roule pour le point d'attente 32 gauche et je rappelle le point. Jackson Tour, Tango India, Kilo Kilo India, bonjour monsieur. Tango India, Kilo India, bonjour monsieur. Tango India, Kilo Kilo India, un Kodiak, une personne à bord, pour un vol VFR à destination de Nadzab avec plan de vol déposé, sans information reçue, demande consigne pour roulage. Test moteur. Kilo India, transpondeur 1044, nous roulons point d'attente à droite. 3. C'est bon. À gauche. Point d'attente. C'est bon.
moteur droit. Test magnéto à droite. C'est bon. À gauche. C'est bon. Juliette 314, après le départ, remontée initiale à 2500 QNH, maintenant dans l'axe et 2500 QNH, et autorise décollage, piste 38 de gauche, le 2314 à 3. Pas, c'est dommage. On attend d'être un peu de gauche. Fox, bravo Fox, on a un point d'atteinte 32 de gauche. On s'aligne, on attend pour Bravo Fox. J'avais un doute. On est prêt. Quand tu nous donnes un feu vert, on décolle. Bravo Fox, après le départ, montée dans l'axe à 2500 pieds QNH, autorisé décollage 30 de gauche, le 2314 à 3. Reçu, on est autorisé à décoller. On monte 2500 pieds dans l'axe après le décollage. Bravo Fox, bravo Fox. Allez, c'est parti. Le point est lancé. Allez, c'est parti. Le badin est actif. Tous les paramètres sont bien dans le vert. Je poursuis le décollage. Aucune alarme. Et rotation. Ah zut, bon, il faut que je repasse le tour alors. Non, on y va tout. Ah, c'est bon, ok, reçu. Le train est rentré. C'est le point de droite en mousse. Faire un décollage, je saute les terres. Oh, c'est dingue. Moi, tu sais, j'ai un avion tout terrain, j'ai vu une piste en herbe, je suis passé. Je possède aussi un avion 4x4. Je peux traverser la latérite. Non, en tant que Zoulou, on est aligné en 32 droite. On maintient pas beaucoup. Je remonte 32 gauche de Kilenga. C'est vrai. Donc, il est bien, vous pouvez passer ce moment. Traverse au point de 32. Il y a la charge qui s'appelle le bar. Les dalles vertes, c'est donc la 2500 pieds. Je pose les collages 32 gauche. Il y a chargé reçu pour le décollage. Je monte jusqu'à 2500 pieds. Pour
Voilà, le décollage s'est plutôt bien passé. De mettre le casque comme ça parce que je les entends pas là, vous ne les entendez pas vous non plus, donc je le garde pour le micro et je les entends comme vous en direct. Cap 040 040, c'est aussi cap 040 pour le France. Il n'y a pas de pas de l'axe, mais 2500 pieds dans l'axe, pour le décollage, un peu de pas de l'axe, c'est c'est magnifique. C'est de. Approche.
C'est reçu pour Bravo Fox, on quitte Africa et on va sur au revoir monsieur. Ah putain. Jackson approche pour Fox. Bravo Fox, on est sur votre fréquence. Bonjour. Voilà, il va falloir bien travailler la mixture pour avoir un bon mélange carburant-air. Pouvoir protéger un maximum les moteurs. Et Jackson approche dans la part en cause sur la fréquence. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment magnifique, hein. Très montagneux. De toute façon, si on ne voit pas le décor, j'essaie de faire un pas en souris, voilà. Si on ne voit pas le décor devant, on le voit ici. Hein. On voit les reliefs qu'il y a, les différents reliefs qui sont dessinés sur l'écran. À 6000 pieds. Une test assez constante à 156, 157. Donc à la moitié de la montée là. Turbulence pour Bravo Fox. Alors c'est normal quand on attaque les vols au-dessus de la montagne, c'est toujours assez mouvementé du relief, la météo qui joue aussi des siennes. Franchir les 7000 pieds, on continue à monter. Toujours 100% des moteurs, je règle la mixture, le pas d'hélice, afin de gagner un petit peu de vitesse, sans que le moteur ne s'use trop rapidement.
qu'il y a certains nuages qui sont pas jolis sur la gauche, très orageux. J'accède à gauche, bonjour à toutes les stations. Bonjour. Ce turbulence pour Bravo Fox. Pendant ces quelques turbulences, je vous propose, chers amis, de basculer à l'extérieur de l'appareil. Et puis après, on reviendra bien sûr à l'intérieur de celui-ci. Alors attention, on va essayer donc, si tout se passe bien. Ça devrait. 3, 2, 1. Et nous y voilà alors. N'est-ce pas beau ça, les amis? Je crois que l'avion est sujet aux turbulences. Et vu les nuages qui sont devant, je pense qu'on va se faire chahuter un peu. Ah, Fox, bravo Fox, on a des nuages pas beaux devant. Pour l'instant, ça va, mais ils sont pas trop bien. On va regarder un peu les paysages. Vraiment ça comme c'est magnifique les amis. Je vais prendre un peu le décor derrière. Regardons ça comme c'est magnifique. Et toute la splendeur ces montagnes. Papouasie, Nouvelle-Guinée, vraiment magnifique les amis. Allez, on revient à l'intérieur. On arrive bientôt à l'altitude requise. On est à 1000 pieds de l'altitude de croisière.
une beauté, les amis. Magnifique, tous ces reliefs. Hein. Ah oui, c'est très beau. Hein. Par contre, t'as pas intérêt à avoir un problème moteur, là. Tu montes à quelle vitesse, tu vois bien, là ? Alors, au bas d'un, 141,2 avec 350 pieds de... par minute. 350-400 pieds minute. Et j'ai mis le pilote auto, hein. Je vais programmer la vitesse, il monte. À droite de l'altimètre, t'as un petit chiffre à côté de ton chiffre. Tu vois ton altimètre? Ouais. Sur l'écran, t'as l'altimètre à droite. Ouais, ouais. À droite de ça, t'as un petit encart noir qui bouge un peu et c'est marqué 300, 400, 200, 500. Voilà, bah tu montes à 200 pieds minute. Ouais, il est tout noir quand t'es stable. C'est ça. Regarde pas trop monter. Moi non plus, hein. Je suis à 350-400 pieds, je suis à 141, tu vois. Donc, 142, ouais. Fox, bravo Fox, on est à 2500 pieds, c'est simple. Ça turbule. En croisière, qu'est-ce qu'il faut faire? Régime moteur. Alors, le pilote que je suis sur YouTube, là, que vous avez déjà vu, je l'ai vu décoller sur des pistes où il était enfoncé pratiquement de la moitié de la route dans le tableau. Il a fait un demi-tour, il a fait un sillon, je te dis même pas. Paramètres moteur, cela. Voilà, oui. On est tout bon. Ça va, c'est relativement que 12005 c'est ce qu'il fallait pour passer les grosses montagnes qui arrivent devant nous. Ah bon, d'accord. Bah a priori non. C'est trop, mais côté sécurité quoi. Amis, ça secoue quand même pas mal. C'est normal. Par contre, on va passer à quoi des d'un terrain, tu vois, 1270 pieds de long la piste.
faire des trucs sympas là. Et tu regardes tout autour, il y a des petits aérodromes en bande sur Géorgéenne d'ailleurs. Bah, c'est sur ce genre de truc que se pose le gars là dans la vidéo. Enfin, dans les vidéos. Ah ouais, je le suis des fois. Je pense que comme j'ai son avion, je pense que je vais aller m'amuser sur des pistes comme ça. C'est vertical de Tapini pour Fox Bravo Fox. On est donc à la verticale de Alpha Yankee Tango India. Alors, la première étape, on devait la faire en 40 minutes, on l'a fait en 24 minutes. Donc ça va, on va plus vite que le plan de vol prévu. Par contre, j'ai un petit 200 pieds. 3, ajouter la note portée. Vous avez bien tous envoyé votre lettre au Père Noël? Ah ben moi, elle est déjà passée. Hein. Toi, c'est vrai. Il est contrôleur, le Père Noël ? Je confirme, ouais. Mais là, j'ai un taux de montée qui est proche du zéro, là. J'essaie d'augmenter un peu le son des camarades, on va voir ce que ça donne les amis, hein. Si on peut les entendre un peu mieux pour vous. Des fois j'ai fait une grosse bêtise, mais on verra. Vous savez que les vols se déroulent dans les conditions du direct, donc je ne suis pas maître de tout ce qui peut se passer durant l'enregistrement, hélas. Même si là je suis content parce que je vois que les images par seconde tournent toujours à 50 à peu près. Donc on arrive dans les reliefs les plus hauts maintenant. Regardez sur la droite. Ah, il faut quand même pas trop dévier de la route parce qu'il y a des reliefs qui sont hauts. Oui, ouais, terrain bien sûr. Dans mes 3 heures là, je pense que j'aurais laissé un peu de peinture si j'étais passé par là.
J'exagère un peu, j'avoue, mais bon. La deuxième branche, elle doit l'exécuter en 42 minutes. Les images par seconde, c'est nickel. D'accord. Parfait. Et t'as fait quelque chose ou pas? Non, non, j'ai absolument rien fait. Je pense que c'est le Kenya qui nourrit, si c'est pas, tout simplement. Le mystère de l'informatique. Ah non, il y a un truc que j'ai fait aussi, vous savez, sur mon clavier de gamer, puisque j'ai un clavier de gamer. J'ai une petite touche joystick, c'est-à-dire que je clique dessus, l'ordinateur ne gère que le jeu. D'accord. Et j'ai cliqué là, dessus, ce soir. D'accord. Je ne veux pas décliquer, je veux le laisser cliquer, on ne sait jamais. Ouais. Vertical Tapini pour Navamba Tangozouli, et on voit l'aérodrome dans... C'est quoi ton indicatif là? J'ai pas bien compris la fin. C'est Papa 2, November Tango Zulu. Ah, j'ai entendu Zuli. Ah, Zuli. C'est Zuli. Mmh. Alors, prochaine étape, enfin le prochain survol d'aéroport, ça va être Bulolo. Le premier qui me dit Bulolo, ça va pas aller non plus. Bois Lolo. Et qui a bu Lolo? Mandra, non. Avoira, pardon. Avoir. Ah, monsieur, je confirme. Moi, je suis 12005 et je vois bien les arbres. Quand même. Ben, moi, je suis à 10 000 et il peine à monter. Mais bon, pour l'instant, ça passe. Alors durant ce vol, les amis, j'ai le bonheur d'être avec Fennec 28S, John 314, Loïc, Tito 31, Tiki. T'as combien que j'ai bien au régime turbine ? Et moi-même. Attends, je te dis ça. 1300, à peu près. Mais je vais pouvoir mettre un peu plus. 1380 et 2140. Ouais, je suis à 2140, mais je vais monter à 1380 aussi, ouais, comme ça. Alors, autre chose. À peu près, ouais. Le fait que le son soit passé par là, je ne sais pas si on m'entend respirer, comme en ça m'a fait... l'échelle du torque, t'as vu... Avec l'ancien jeu,
Si c'est le cas, je m'en excuse, je ne suis pas maître de cela actuellement. En regardant le film tout comme vous, je m'en apercevrai si oui ou non j'ai fait une bêtise, mais pour l'instant, je ne peux pas savoir si oui ou non on entend ma respiration. Et si c'est le cas, je suis vraiment désolé. C'est une invention de M. Dean qui avait parlé vraiment des normes. En même temps, ça me rassure là, parce que. Parce que je suis en 2005, bien sûr. Ça me permet de savoir que je suis vivant. Là, on continue le vol. Tous les paramètres sont toujours dans le vert. Descendu là. Le relief en dessous est beau mais hostile hein, quand même. Hein. C'est comme une pique. Ouais. Ça aurait pas un portail ancien, tout ça. Que vous l'avez acheté ou vous l'avez téléchargé? Oui, on l'a acheté, Ça ressemble un peu au Cessna 200... C'est un Cessna 208 à l'échelle 0,8, quoi. D'accord, j'en ai plus petit. Un petit peu plus petit que le 208, et par contre, il a des perfos... Il a de la puissance. Oui, il a de la puissance, il décolle vite, il se pose vite, la reverse, elle est très efficace. Et puis l'avion est hyper bien modélisé, en plus... Le nage est réel là. Ouais. Le nage est un peu. Ouais, il faut une petite prise en main, mais ça va après quand tu. Et puis il a 4 versions différentes avec 20 livrets à chaque fois, je sais pas combien. Enfin, c'est les mêmes livrets, mais t'as 4 versions différentes. T'as une version petit trou avec pod ou sans pod de chargement. Et une version grosse roue avec pod ou sans pod. La version para. Non mais ça c'est après extérieurement, t'as les 4. Après oui t'as l'intérieur cargo, intérieur para, enfin tu peux. Comme dirait le français moyen, t'en as pour ton argent. Ouais non franchement il est vraiment très bien fait au niveau gestion. Je confirme. Ouais. Toi aussi, Yves. Oui, je l'ai aussi. Et puis en vitesse de croisière, si tu veux, quand tu vois, là, je suis stabilisé. Au GPS, je suis à 182, tu vois. Oui, je pense pas mal, ça. Mais quand tu vois le pilote là qui vole, il a l'air de s'éclater avec quoi. Ouais. Et l'autre jour j'ai vu sur 2700 heures de vol, il en a 1700 sur le cognac. D'accord. Et il a créé sur son site, tu as des cours par internet pour savoir comment piloter le cognac si tu veux, comme il est sorti si tu veux, tu vois. Il a fait des cours pour le Kenak, mais c'est payant, quoi. Il a fait 4 combos India pour India Charlie. Ah, c'est India Charlie. T'as toute une série de vidéos pour apprendre à piloter un truc, et c'est $50, et j'ai plus d'une vingtaine de vidéos, je pense, de l'auteur. Je l'ai aperçu le terrain. Oui, tu vois de soin. Il est pas traité, hein, je crois. Non. J'avais réussi à avoir 5-6 cartes d'approche de certains terrains, mais pas tous, quoi. Donc je sais pas après. Puis moi, j'en ai rajouté des terrains aussi. Et j'ai installé un petit utilitaire là sur. Pas toujours le même site, hein, FlightSim, tout ça. Qui s'appelle Airstrip Maintenance, ça t'enlève des arbres en finale, ça t'enlève des trucs, tu vois, ça te fait un truc un peu plus propre. Ouais.
pour la Papouasie, enfin pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Toutes les configurations possibles. Oui. Parce que là, quand tu vois à côté de notre plan de vol, tu peux les aligner, t'en as au moins une dizaine, tu les alignes tranquille là. Ça va, il y a un paquet de petits aérodromes. Ouais. Mais quand tu vois sur les vidéos, c'est des fois, t'as le village, t'as l'aérodrome, le mec il vient une fois par semaine, c'est le. Ici ou comme les trucs, quoi, c'est le truc pour ravitailler. Et parce que dans ces reliefs là, je sais pas où c'est que tu mettrais nos routes. Ah bah ouais, ce serait compliqué là. Péniblement déjà des sentiers. J'ai baillé un petit peu, je suis désolé. Quand on sera à 12 500, on sera arrivé à l'état. Non, ça y est, moi j'y suis, tu vois. Regarde dans l'approche, sous la carte, vous savez, il y a les reliefs et tout ça. Et je suis en train de constater que la descente nous fait traverser la montagne. Ah, sur l'élévation du plan de vol, là ? Ouais. Exact. Ouais, il va falloir rester vigilant. À 8005 avant d'entamer la descente à nouveau. Ouais. Sinon, Loïc, cet avion côté décrochage, ça non, quand même. Faut déjà pouvoir décoller. C'est vrai. Alors, c'est plus à l'interro, c'est le décollage des décrochages. Non, mais ça vient du pédalier que j'ai là, il est mort. Nous t'enverrons en janvier et puis. Ouais. On va laisser passer les fêtes. Mais toutes les heures de vol que tu fais dessus, le pauvre pédalier, il en prend, non ? Bah oui. Ouais. Bah, à force, je pense que les potards, à force, oui. Bah, il y a du jeu. Bah, il y a du jeu, et puis il doit avoir un peu des ordres erratiques. Et puis les pistes sont usées, quoi. Bah, c'est ça. Bah, on en a trouvé un, éventuellement, pour le changer. Raisonnable. Tous les paramètres sont dans le vert, tout va bien. On va bientôt amorcer la descente. Non, mais n'empêche que tu regardes par rapport au temps qu'on a, au nombre d'heures passées, par rapport au prix d'achat, ça fait pas cher de l'heure. Ah, non, ça, je suis d'accord. Il est amorti depuis longtemps. Oui.
Je regarde toujours, regarde sur Fletcher. Je vois que vous êtes tous à. Vous en avez 13 000 pieds, au-dessus, vous n'êtes pas encore monté. Alors que normalement vous êtes tous 805 à votre. En fait, c'est le problème de votre. La pression qui est arrivée dans votre appareil. Normalement, au-delà de l'altitude de transition qui est propre à chaque. En France, en l'occurrence, à 7000 pieds, on doit passer sur l'altitude pour les standards, sur la pression standard, je veux dire 1013. Yes, c'est vrai. Vous êtes là 80 Non, on fait pas. Si vous faites, vous êtes là à 13000 quelques pieds. Ouais, et ils n'ont pas 12500 comme vous voulez être. Est-ce que je veux dire si vous. Oui, oui. À une certaine altitude, on doit tous être calés pareil. Exactement. Justement. Voilà. En France, c'est 5000 pieds, et après, ça dépend de chaque pays, de chaque ville. Ouais, ça dépend aussi des régions de vol, des fois. C'est... Oui, c'est le panneau relief qu'il y a autour, il y a des régions. Ouais. 14000 pieds, j'ai vu des sur les cartes, 14000 pieds, l'altitude de transition. Alors, c'est vrai que là, je ne sais pas combien c'est chez eux. Ouais. Normalement, d'ailleurs, tu as, alors sur les avions de ligne, tu as, là, je sais pas chez nous, mais tu as un bouton où tu appuies, ça te met directement en standard. Sur les avions de ligne, ça y est. Après, sur les autres, ici, je sais pas. Moi, je suis calé à 29.71 inch. Voilà, mais c'est ça. Mais normalement, on devrait être à 29.92, là. C'est ça. Pour avoir tous la même en fait. Voilà. Mais bon, moi je sais pas comment on règle. Il y a un glaucome. Si, mais je vous montrerai ça. Bah, moi je te montrerai ce week-end. Ah, ouais, alors du coup on était trop. Alors ça c'est fait pour quand vous croisez un appareil qui vous dit être à 12500 pieds. S'il n'a pas. Oui, le même calage. Il faut tout le monde le même calage, sinon voilà. Là, vous pensez être 12500 pour l'occurrence, alors que vous êtes 13000 et poussière. Voilà. Le fait de tous être sur le même calage, 1013 ou 1092, ça permet d'avoir tous, vos appareils respectifs, la même altitude. Ok. Comme si en voiture, tu en avais un en km/h, l'autre en miles, l'autre en mph, l'autre en. Voilà. On va baisser l'altitude. Oui, bon, en l'occurrence, pour l'aéroport d'arrivée, Nazab, l'altitude de transition est de 20 000 pieds, ça va. Combien ? 20 000 pieds. Donc. Là, ça veut dire qu'on serait bon. Ouais. Malgré le fait qu'on soit pas bon, on va dire, entre guillemets. Quoi. Oui, tout à fait. Moi, ouais, c'est ça qui est bizarre, tu vois. Là, c'est... Ouais. Là vous devez rester en QNH. Ah, ouais. Vertical LED, bravo uniforme pour Fox, bravo Fox. Alors, en adaptant à 29,92 inch, je suis descendu sur Fletcher à 12854. Pour une altitude de 12500. Ça dans les réglages du jeu où tu peux mettre une touche pour passer en standard et en déjà qu'on a déjà qu'on n'a pas la touche nav GPS. Ah si tu l'as. Oui. Ah bah on en parle ici avec Thierry. Tu te souviens Thierry qu'on avait essayé comme des fous là. Ouais, ben, je vais chercher. Ah ouais, mais ouais, toi t'as le G1000 sur ton bar ou pas? Ah ouais, ouais. T'appuies sur le bouton CDI qui est en bas et tu vas changer, tu verras. Enfin, la change pas parce que si t'es sur le GPS, tu vas te... Ah oui, non mais ça oui, ça je l'ai fait déjà. Mais bah c'est ça en fait. L'affichage, là, oui.
Non, mais je voulais dire le bouton pour mettre sur le joystick. Ah oui, oui, ouais. Programmer une touche sur le joystick, voilà. Le papier. Merci de traduire. Voilà. Je parle, j'ai fait Ike deuxième langue. Ah, d'accord. Non, mais ça, c'est parce que t'es proche de lui physiquement, c'est pour ça que t'as l'habitude. C'est ça. Oui, voilà, c'est une touche, on cherchait à programmer une touche sur le joystick ou le clavier pour passer du mode GPS au mode navigation. Et ça n'existe pas. Bah, avec le G1000, ça ne doit pas exister. Vu que tu changes directement sur l'écran, ouais, ça doit pas relancer à un autre. Super beau là, t'as des espèces de sons. Là, t'as peut-être des routes là par contre. T'as changé de tour, Thierry ? Pardon ? T'as changé la tour ? Oui, 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 oui. Et il fait quoi comme temps là ? C'est très nuageux. Très nuageux. Des nuages assez bas, ça fait une couche le sol. Ça va, il n'y a pas de vent, pas de nuit par contre. Oh, c'est parce qu'effectivement, là, j'arrive vers une mer de nuages. Ouais, ouais. Alors, ouais, très bas. Sur quelle nave, je ne sais pas si tu l'as, Thierry. Si... Oui. Tu l'as, la météo, t'as vu ce que ça donne. Sur le Little Map, hein? Ouais, quand tu cliques sur la porte, t'as les informations qui s'affichent ou pas, si t'as mis. Enfin, faut peut-être mettre la tête. Oui. Et tu as les infos, ouais. Ah, ouais, d'accord. Voilà, je ne peux pas regarder trop. Ouais, c'est ça. En skater d'un 2005, ouais, ça veut dire que c'est quand même bien. Alors, le QNH est dans, c'est dommage. T'as entre l'avion et les infos, t'as pas le même QNH par les mêmes unités, c'est chiant ça. Allez, on va avancer la descente gentiment. Ouais. La latitude de transition sur Little Tank Map, on a là sur l'anglais météo justement. Ah oui, tu l'as. Exact. Ouais. J'ai jamais remarqué ici. Je suis 314, je survole Bulolo Airport. Ensuite. Fox, bravo Fox, on amorce la descente vers l'aérodrome puisqu'on va arriver bientôt dans l'aéronautique. Ok. Quand tu cliques sur les 4 aérodromes qu'on a survolés aujourd'hui, les 4 sont à 20 000. D'accord. De transition. Ah ouais. Ah ouais. Oui, parce que d'altitude, j'y arrive pas, non. Non, c'est ce qu'on t'a dit, c'est quand tu passes de l'altitude QNH au standard. Mais ça, t'as pas fait d'IFR, donc. Non. J'ai fait un peu bruit 5e année, mais c'est tout. Non, mais c'est des notions d'IFR parce qu'on monte rarement à des altitudes comme ça, quoi. Enfin, ça arrive, mais c'est rare. Mais tu veux dire, même si t'es à 6000 pieds, oui, tu peux l'avoir simplement. Il est 314, je descends 9000 pieds. 9000 pieds, 314, c'est ça. Tu sais, John, pour simplifier 314-116, il existe 22-7e aussi. Et c'est moins fun. Ouais, voilà. Tous ces codes, téléphone, ordinateur, voiture, ce que tu veux, c'est toutes les anciennes immatriculations des voitures de mon père. Tu sais que le gars qui veut se pencher là-dessus, il a du boulot. Fox,
Fox, bravo Fox, on est revenu à l'Atlantique, on bascule sur la tour de Nadzab. Ça t'a fait mal quand t'es rentré dedans? C'est mon Fox. Tour de Fox. Bravo Fox. Bonjour monsieur, c'est un Baron 58. Vol VFR avec plan de vol en provenance de Jackson's. Actuellement en descente vers 2500 pieds. Nous demandons intégration VFR. Aucune information n'est relevée. Tour, bonjour Fox. Bravo Fox. Prévoyez une verticale terrain. À 2000 pieds, qu'une archer rappelée verticale. On va le vertical terrain à 2000 pieds, on rappelle vertical pour Fox et Laurent Fox. Et vous maintenez l'accent dans le Fox? On maintient l'accent plus bas. Continuez à descendre. On est à 9900 pieds. Alors. Je vais ralentir un petit peu, de façon les copains sont loin derrière. De voir s'il y a des reliefs. Apparemment, ça va bon. On va aller de faire un survol du terrain à demi-pied. Sera la piste 09 à service. C'est noté pour la 09 pour Bravo Fox. Merci monsieur. Service 09, prévoyez ça produira une verticale terrain à 2000 pieds et la chair des verticales terrain. Donc, elle est maxée. La piste 09 pour Juliette 314, des prix. On attaque les nuages. Et en fait, une directe verticale terrain. Les phares. Viens à droite pour faire non, à gauche. Ouais, je vous rappellerai pour rappeler vertical terrain à sa première. Ok.
je descends 1000 pieds minute, hein, je suis quand même très haut, 6500. Bravo Fox, je ne pourrais pas être à 2000 pieds, je pense que je serai légèrement plus haut. Là, je suis à 6200 pieds actuellement, en descente à 1000 pieds minute. Pas de souci, rappelez quand vous serez à 2000 pieds, UNH. Fox. C'est noté, on rappelle dès qu'on atteint l'altitude 2000 pieds, pardon, UNH. Bravo Fox. Ah, j'y serai peut-être, hein, j'y serai peut-être, les amis. Alors, on passe les 5000 pieds. Là qui me font peur un peu là, j'avoue. Voilà, turbulence. Bravo Fox, on a passé votre terrain, on est à 3800 pieds, toujours en descente vers 2000 pieds, 2500 pieds, pardon, mais on voit la planète se rapprocher. Ok, bravo Fox, on irait vers l'arrière, on suit, on vire main gauche pour un vent arrière à 0,9 et on rappelle en finale, c'est bien ça? Négatif, poursuit la vente arrière là, c'est mon premier pas. C'est reçu, on poursuit la. Et on maintient la vente arrière en main gauche. Tango Zulu, je vous écoute. Et Kodiak, Papa 2, devant votre Tango Zulu, en prenant ce Jackson à destination de vos installations. Actuellement 15 nautiques, 8900 pieds en descente vers 4500 points d'intégration. On était à gauche. Tango Zulu, prévoyez une verticale terrain à 2500 pieds, si possible, et rappelez verticale terrain. Sur la piste 100, on a un service. Rappel vertical, 2500 pieds, on va accélérer la descente, et ce sera pour la 0 de France Fox. Tango Zulu. On va pour force autoriser l'intégration 09 main gauche, et la convenance, c'est rappel. Attention, autorisé à intégrer la piste 09 pour Bravo Fox et on rappelle en finale pour l'incomplète sur vos installations. ...314, prévoyez une verticale terrain à 2500 pieds de gainage, 2500. Rien.
parce qu'il va falloir que tu m'aides à régler le simu de nouveau parce que j'ai des nuages qui sont radioactifs, ils brillent. D'accord. Merci. Déjà Tchernobyl, t'en as fait 8 ans. Je t'aimerais une capture d'écran si tu veux de paramètres de nuages. Où on partagera à l'écran, c'est mieux. Tu le sais. Tu connais mes préférences. On va lever le pilote automatique, hein, si je vois rien. Bravo Fox, on n'a aucune visibilité sur le terrain. Alors je vais monter. Voilà, pour essayer de voir un peu mieux. Ok, Bravo Fox, cap 3-6, c'est vos mains gauche, descendez à demi-pied. On suit 3-6-0 et on descend à demi-pied. Donc c'est Bravo Fox, on a un visuel sur le terrain, on fait une verticale, on met les gaz. C'est reçu ou... Ok, est-ce qu'on peut être dans l'axe 09 à demi-pied, Bravo Fox? Reçu, demi-pied dans l'axe terrain, on fait une mise de gaz. Bravo Fox, cap 270 à la gauche.
T7-0, ma gauche. Fox et Samarage, à cause de rien. Prochain à gauche.
prochaine à gauche, on va voir Fox. Et vous roulez ensuite au parc tout droit. Et on roule au parc tout droit pour Bravo Fox. Dans l'herbe là devant moi. John. D'accord. C'est ça, on regarde la télé, on attendra un peu. Vous Fox, bravo Fox, on est au parc, on coupe le moteur, on revient vers vous après. Merci, bravo Fox. Allez, on y va. Fox, Cynthia Charlie, correction, prévoyez une intégration piste 09, main droite et rappelez la finale. Moteur coupé. Cynthia Charlie, correction pour piste 09, main droite et rappel en finale. Le moteur droit, il y a le coupe aussi. Voilà. Voilà les amis, hop, 1h15 de vol. Donc ils avaient prévu 1h46, 1h15 c'est pas mal. Je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en 2022 donc, pour l'étape 2 ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'espère que le vol vous aura plu. Vous avez vu, j'ai été obligé de faire une remise des gaz parce que j'ai eu un petit souci de visibilité à cause des nuages. Et puis voilà. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Prenez soin de vous, des autres. Bonne fête de fin d'année à tous et à toutes. Joyeux Noël, bonne année bien sûr. Et puis après, on se retrouve pour continuer nos aventures tous ensemble. À bientôt. Bye bye. Merci. Ciao.